Bonjour et merci de nous rejoindre sur Mikouba Radio-Télévision. Merci de nous rejoindre dans cette question magazine de débat de l'actualité hebdomadaire. Cette semaine a été marquée par beaucoup de sujets. Quelques sujets, deux seulement, ont captivé l'attention de notre rédaction. D'abord, les manifestations de l'opposition. L'opposition composée par ces quatuors composés de Martin Fayoulou, de Moïse Katumbi, de Augustin Matata et d'Elie Sessanga qui se décident de multiplier les manifestations à l'encontre du pouvoir en place pour réclamer un certain nombre de choses dont, pour décrier cette élection chaotique. En deuxième partie, on va parler du voyage du président de la République en Chine, Tshisekedi, qui a été en Chine depuis le 24 mai dernier. On va essayer de commenter ce voyage du président de la République. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir d'abord Franck Senga, qui est cadre du parti Ensemble pour la République. Moïse Katumbi est bien représenté dans le débat. Soyez les bienvenus, monsieur. Merci, monsieur Léopold. J'en profite pour saluer mes co-débatteurs ainsi que les téléspectateurs de la radio-télévision Mikouba. À côté de lui, nous allons recevoir M. Nestor Moussoul. Nestor Moussoul, je l'aurais présenté comme opposant, mais Nestor Moussoul, aujourd'hui, qui vient dans le débat en tant que membre cadre du parti UDPS Kibassa. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, cher journaliste. J'ai dit merci. J'ai dit encore merci à mes co-débatteurs qui sont ici présents. J'en profite l'occasion pour saluer aussi toute la population de la province de là-bas qui sont scotchés pour écouter cette émission. Merci. À ces deux tendances, majorité et opposition, à ces deux tendances composées de la jeunesse, M. Gustave Moulongo qui va amener de l'expérience dans le débat, qui va amener de l'équilibre. Soyez les bienvenus, analyste indépendant des questions d'actualité. Merci, monsieur Le Paul. Je dis aussi bonjour à mes co-débatteurs. Tous ceux qui suivent Mikouba, ces moments partout ici à tout, je leur dis aussi bonjour et ils sont les bienvenus à notre débat. On y est, le débat commence avec, en première partie, la manifestation de l'opposition. L'opposition politique qui, je le disais déjà à l'entame dans l'introduction de ce sujet, a multiplié les manifestations. Une marche qui a été réprimée le 20 mai dernier, mais aussi un sit-in qui a été avorté, c'est le terme, le jeudi dernier. On va essayer de rentrer notre correspondant sur place à Kinshasa, Félix Matoudi, qui a couvert ce sit-in avorté de l'opposition, nous a fait un reportage. Suivant ce reportage, et nous allons rentrer sur le plateau. Très tôt matin de ce jeudi dans la capitale, la police avait cadré les périmètres de la centrale électorale sur le long du boulevard du 30 juin, en exécution la note de l'hôtel de ville de Kinshasa qui avait interdit la tenue du sit-in de l'opposition suite à l'inviolabilité de la zone où se trouve la CENI. Il a fallu attendre quelques heures plus tard pour voir Martin Fayoulou, Matata Ponyo, Delice Sanga et Moïse Katumbi qui ont mobilisé leurs militants pour cette cause de s'afficher devant les barricades pour s'effrayer un passage afin d'atteindre les installations de la CENI. Malheureusement, ils seront empêchés d'accéder au quartier général de la centrale électorale. Dans un échange musclé avec les forces de l'ordre, Martin Fayoulou n'a pas caché sa colère. Donc vous avez durci, comment dire, le monsieur le policier. Donc vous avez accru votre dictature. Nous protégeons les institutions. Non, vous protégez le peuple. La première chose, est-ce que vous avez... dites-moi, vous n'êtes pas sérieux? Les gens qu'on tue en Bakana, les gens qu'on tue à Pamuko, vous ne les protégez pas? Vous pensez? Bien sûr. Mais comment on a continué comme on est là? Donnez-moi les statistiques. Vous êtes là. On est là. Pourquoi on a tué avant? Mais pourquoi on continue à tuer? Maîtrisé par la police au niveau du boulevard du 30 juin, non loin de l'immeuble de l'ex-BCDC, les manifestants étaient munis de calicots véhiculant des messages liés au processus électoral chaotique. Le mouvement se voit alors être réduit aux chants et slogans ainsi que des pneus brûlés,
sur les boulevards du 30 juin, ces sit-ins avaient pour cause de réclamer la recomposition du bureau de la centrale électorale. Dénonçant l'acte posé par les éléments de la police, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo souligne qu'ils sont en droit de manifester puisque le processus électoral ne remplit pas les conditions de transparence et d'équité. C'en était suivi d'un moment d'intense tension entre les opposants et les éléments de la police congolaise. Nous voici de retour sur le plateau pour essayer de décrypter cette première partie du débat consacré à cette marche. D'abord, chers invités, je voudrais de vous un seul mot. S'il faut choisir entre échec et réussite pour qualifier ces sit-ins du jeudi dernier, on va choisir lequel ? Franck Senga. Entre réussite et échec. Oui, mais l'opposition s'est fait entendre. L'opposition s'est fait entendre, vous choisissez un troisième mot. Monsieur Gustave Moulongoy, entre échec et réussite. C'est une réussite, d'autant plus que ce sit-in a abouti, parce que même si on leur a refusé d'accéder dans le périmètre qu'on considère comme neutre, mais le fait qu'ils soient arrivés à quelques mètres de là et qu'ils se soient exprimés avec des banderoles, avec leurs différentes interviews qu'ils ont accordées aux journalistes, je pense que c'est une réussite. Nestor Moussoul, pour moi, pratiquement, c'est un échec. Un échec, pourquoi? Je crois que nous avons une opposition qui est un peu fragile. La marche qui était prévue, je crois, le 15 mai, si les blocs de l'opposition étaient forts, ils devaient tenir pour que cette marche puisse se passer le 15 mai. Et ils ont reporté la marche suite au conflit de Kwamout, qui était à plus de 17 km de la ville de Kinshasa. Et le gouverneur Gentil Gobi avait convoqué les blocs de l'opposition, l'a dit, pour mesures de sécurité, nous suggérons bien que la marche puisse se passer le 18 mai. Et les blocs de l'opposition, ils ont vu que le 18 mai, c'est presque une semaine, et ils ont repoussé au samedi. Donc samedi le 20 mai, on les a donné une itérance à suivre. Mais ils ont boycotté, ils ont choisi ce qu'il y a, et voilà, aujourd'hui on se retrouve là pour être en train de critiquer déjà la sortie qui était chaotique et un échec. Franck Senga, quand on s'est dit être républicain, vous menez un combat, juste un combat qui rentre dans les valeurs républicaines. Est-ce que quand on mène un combat comme ça, on doit s'opposer à l'ordre donné par une autorité? Quand l'autorité urbaine vous dit, ça c'est un périmètre neutre sur lequel on n'organise pas de manifestation, et vous allez en guerre contre le mot d'ordre donné par l'autorité, est-ce que c'est un exemple de démocratie, un exemple de valeur républicaine? Oui, merci. Je pense qu'on doit rentrer dans le contexte constitutionnel. La Constitution est claire, nous n'avions fait que respecter cette dernière. Il est dit dans la Constitution que l'opposition a le droit de marcher, de manifester, à partir du moment où il informe. Nous sommes dans un régime d'information. On a donné l'information et on a donné nos itinéraires. Nulle part ailleurs on dit que le gouverneur doit vous donner... un itinéraire à pouvoir suivre. Non. C'est un peu comme une manifestation ici à Colwezi. Vous allez voir le gouverneur. Le gouverneur vous dit, moi, je vous donne comme itinéraire Lualaba jusqu'à Fungurumi, alors que nous sommes à Colwezi. Ce n'est pas sérieux. D'ailleurs, c'est ridicule même. Pour essayer de vous contredire, vous avez toujours la parole. Quand on suit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, dans son point de presse qu'il a donné, il dit que c'était une stratégie au niveau du gouvernorat de Kinshasa, parce que l'itinéraire qu'avait choisi l'opposition, c'est une commune réputée être un réservoir de Kolouna, notamment. Ça, ce n'est pas leur problème. Nous, oui. Notre manifestation devait se faire dans des conditions pacifiques. Ce n'est pas leur problème. Nous en avions organisé deux. Et ça s'est soldé par un bilan nul. On en a fait... et on a même été jusqu'à féliciter la police. Vous savez, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le pouvoir
montrent des signes d'essoufflement, de faiblesse. Donc ce sont des signes qui ne trompent pas d'un régime aux abois. Voyez-vous. Franck Senda, aujourd'hui, la sécurité est aux portes de Kinshasa. Ça, c'est un fait. Écoutez, ça, ce n'est pas notre problème. Mais vous aviez suivi en fin de mois d'avril le concert de l'Union Sacrée Musica qui s'est déroulé au niveau du Stade des Martyrs. Il y a eu un concert là-bas. Oui. Mais un concert qui a vu les fanatiques sortir avant l'arrivée des musiciens eux-mêmes. Donc les musiciens ont pu faire leur concert, chanter, danser devant un parterre vide. Voyez-vous, donc ça signifie que l'opposition a toutes les raisons d'être avec le peuple. Le pouvoir n'existe presque plus dans l'opinion. C'est ça qui fait qu'ils ont peur. Et les masques sont tombés aujourd'hui. Nous sommes en train de voir toute la nudité de ce pouvoir. Et nous leur disons que chaque dictature termine toujours dans les poubelles de l'histoire. Ils doivent faire attention parce qu'ils ont déjà pris une mauvaise tangente dictatoriale. Et ça, nous n'allons pas laisser un seul instant ce pouvoir se déterminer dans cette voie-là. Nous n'en voulons pas du tout. Bien, Nestor Moussoul, vous avez suivi la position de Franck Nsenga. Nous le rappelons, il est d'Ensemble pour la République, il est de l'opposition. Vous êtes du pouvoir, vous êtes des UDPS Kibasa. Quand par exemple l'opposition dit qu'elle manifeste contre un processus électoral chaotique, regardons seulement l'enrôlement. Est-ce que l'opposition n'a pas raison de marcher? Marcher, oui, pour dénoncer, oui. Mais nous sommes retrouvés aujourd'hui que nous sommes dans un petit jeu de ping-pong. Parce que nous retournons en 2006, on avait vu la même opposition a critiqué le régime qui était en place. Ils ont critiqué les présidents qui étaient choisis de la CENI à cette époque. Ils critiquent, ils condamnent, mais la chose qui est plus grave, ils ne proposent pas des pistes de solutions fiables. Ils veulent la récomposition de la CENI. Écoutez, des pistes de solutions fiables qui peuvent aider la République à avancer. Oui. Quand vous nous parlez aujourd'hui de la composition de la CENI, nous sommes déjà aux portes des élections. D'ici peu, nous sommes pendant une période de séance électorale. Et vous voulez que nous recommençons à recomposer la CENI. Ce qui va nous prendre combien de mois? Donc ça montre que l'opposition n'est pas prête, n'est pas préparée pour les élections de 2023. Ils cherchent des échappatoires. Nous rentrons en 2011. La même opposition, on a proposé un nouveau président encore de la CENI. La même, vous voyez que l'opposition au niveau de la RDC, c'est une opposition qui se victimise. Une opposition qui cherche à attirer l'attention, qui est dans les champs magnétiques, tout ça, on connaît ces jeux-là. Oui. On a contesté les choix du président de la CENI en 2011, disant que l'élection est chaotique, et on ne fait pas confiance. Arrivé en 2018, on a choisi Corneille Nangaa, qui n'a pas contesté ceux qui étaient dans l'opposition. Nous étions dans l'opposition. À cette époque, on a contesté l'histoire de Corneille Nangaa, non, il a des mèches avec le pouvoir en place, les élections ne sont pas transparentes. En Afrique, on est en train d'assister à une comédie musicale des mêmes paroles, mêmes scènes, qui ne rapporte rien sur le vécu quotidien de la population congolaise. Parce que ces quatre leaders, ils sont soutenus par les oligarques, vous comprenez bien, de la communauté internationale. Ils sont soutenus par les Occidentaux. C'est-à-dire que quand ils vont passer, ils ne vont pas servir les peuples, ils seront à la merci de leur chef. C'est ce que nous, on est en train de militer et de dire non à ça. Il doit être au service. Je prends un exemple. La même opposition qui était avec nous dans l'Union Sacrée. On a travaillé pendant 3 ans. Et la personne a quitté, le parti a quitté l'Union Sacrée. S'est retrouvé dans l'opposition. Et on est en train de condamner la personne avec qui on a fait chemin ensemble. Voilà où il y a un problème. On a fait chemin ensemble, on a travaillé ensemble. Arrivé quand toi tu as vu que tes intérêts ne sont pas protégés et que ce que tu peux chasser n'est pas encore accompli, tu divorces. Et quand tu divorces, tu commences à condamner la maison où tu étais. Donc, toi-même aussi, tu es coupable. Là, nous le disons face à la population congolaise. Ils ont évoqué dans leur cahier des charges. Ce n'était pas question d'aller vers les élections. Dans leur cahier des charges, il était question. La première des choses, c'est faire une marche pour pallier à l'insécurité alimentaire, les problèmes de vie qui coûtent cher. La vie coûte cher. Les sociaux, les déficits, ça c'est vrai. Mais ça n'a pas commencé avec ce régime. Il faut se le dire. Il y a beaucoup de bavures qui ont été commises depuis dans les régimes passés. Vous le savez, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le pays se trouve là où on est aujourd'hui. Vous vous victimisez aussi après. Non, je ne me victimise pas. J'ai dit la même opposition. Nous étions avec eux à Genève. Oui. Vous comprenez bien. Ils ont voté un seul candidat. Et par après, il y a eu des divorces. Eux-mêmes se sont trahis d'abord à Genève. Ils ont créé la Mouka. Les autres, ils ont créé Cash. Et au retour, vous avez vu, aujourd'hui, la population est en train de souffrir des actions
que l'opposition devait mener des actions fiables qui, aux intérêts de la population congolaise. On sent que cette opposition, elle est primat opportuniste. Bien, parce que quand vous condamnez aujourd'hui. Oui, on va vous redonner la parole, Nestor Moussoul. Gustave Moulongoy, on a besoin de la profondeur dans les débats. Pour quel gain de cause l'opposition organise-t-elle toutes ces manifestations sit-in devant la CENI? Quand aujourd'hui, la même question que je posais à Franck Senga, quand aujourd'hui on réclame la recomposition de l'équipe de la CENI? Est-ce qu'on ne cherche pas quelque chose et son contraire, comme le président le disait déjà à Pékin? L'opposition ne sait pas ce qu'elle cherche. Elle cherche justement cette recomposition-là. Et cette demande, cette démarche n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis le début du processus électoral qu'on a commencé à contester la recomposition de l'actuelle CENI. C'était depuis le début. Et cette réclamation, cette revendication continue jusqu'à ce jour. Donc ce n'est pas du nouveau. Je crois que les organisateurs, la CENI qui est organisatrice, donc elle a fait un saut d'oreille. Parce qu'on a commencé à demander le consensus depuis le début. Non seulement l'opposition, même la société civile. Il fallait se mettre ensemble, qu'on trouve un consensus de manière à cheminer pour aboutir à des élections apaisées. Mais la CENI, avec le pouvoir, n'ont pas entendu cette oreille. Ils ont continué, on dirait, un forcing, jusqu'à ce qu'on arrive à ces niveaux-là. Et l'opposition continue à réclamer. Je crois que c'est tout à fait normal. La recomposition aujourd'hui, moi, je crois que c'est peut-être le pouvoir qui cherche quelque chose et son contraire à la fois. Comment? Parce que, pas plus tard, il y a quelques années, c'est en 2018, avec la prestation de serment de président avec Kabila, passation du pouvoir, on appelait ça passation civilisée du pouvoir. Mais cela après une prolongation, un glissement de 2 années. Mais on avait décrié cela. Pas de glissement, pas de ceci, tout ça. Mais lorsqu'on a glissé, on arrive à des résultats tels qu'on les a eus là-bas. Passation civilisée du pouvoir, tel qu'on l'a dit. Mais tout le monde a applaudi, n'est-ce pas? Vous dites donc indirectement que c'est mieux même de glisser. Et que l'on arrive à des bons résultats. Un résultat qui apaise tout le monde, ou qui gagnerait? C'est le peuple qui gagnerait, au lieu d'aller tout droit dans le mur, et qui est chafouré, qui est bain de sang, tout ça, des choses comme ça. Ce n'est pas souhaitable. Moi, j'estime que la réclamation, elle est fondée, ce n'est pas chercher quelque chose, c'est au contraire. Donc, on voudrait qu'on arrive à un résultat qui puisse apaiser tout le monde. Si pas à 100%, même à 80%, ça arrangerait le peuple congolais. Et c'est lui qui en sortirait victorieux. Et parce que, vous vous rappelez bien que c'est depuis, on est au 4e cycle, et à chaque cycle électoral, il y a toujours des troubles. Il y a toujours des troubles, des revendications de ceci. Et je crois qu'il fallait peut-être comme accepter, écouter le son de l'opposition de la société civile, qu'on se mette ensemble au début de ce processus, de manière à ce que l'on puisse passer les élections dans le calme et dans la quiétude. Et à ce moment-là, moi, je trouve qu'on est en train de donner un peu de l'épaisseur, on est en train de donner un peu de la consistance à l'opposition, à partir même des marches, des sit-ins qui se sont suivies la dernière semaine ici. Parce que si l'opposition avait bien encadré ces manifestants-là, même au niveau des sit-ins, je crois qu'il n'y aurait pas de casse. Il n'y aurait pas de casse. Mais on a occasionné cela parce que il y a dans le cercle du président de la République des collaborateurs zélés, hein, amateuristes, hein, des gens qui ne comprennent pas le jeu du de l'opposition. Donc il fallait laisser le pouvoir marcher, enfin l'opposition marcher, faire le sit-in calmement, pourvu qu'on les encadre, n'est-ce pas? Et peut-être qu'il n'y aurait même pas des gens derrière eux. L'encadrement de Gustave Moulongoy, l'encadrement de l'autorité urbaine, c'est quand l'autorité vous dit que telle zone, c'est une zone neutre. Là-bas, non seulement cela, il y a eu des préjugés qu'on peut faire formuler à ce niveau-là. Le même jour que l'opposition a marché, il y a eu d'autres groupes aussi qui ont marché dans la même ville, peut-être dans les mêmes périmètres. Est-ce que ce n'est pas fait à souhait? On informe l'autorité. Mais si Ensemble pour la République, si les quatre opposants ont informé l'autorité urbaine de la marche et ceux de l'UDPS ont aussi informé, vous dites que l'autorité n'a le droit que d'être informée, c'est ça? Ok. Oui. J'aimerais dire ceci. C'est la toute première fois depuis les indépendances, voir un gouverneur dans la capitale autoriser 2 marches simultanément de l'opposition. Oui, non, 3 marches. Je veux bien comprendre. S'il vous plaît, d'abord. L'autorité urbaine autorise une marche. Il n'y a pas de problème. Oui.
Le problème, c'est que la préséance va à celui qui a déposé la demande avant. Et dans le cas échéant, c'était nous qui avions demandé avant la marche du 20. Et le pouvoir est venu demander deux jours après pour justement jeter le pavé dans la mare et créer le désordre pour justifier les répressions. Mais maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Allez-y. Au moment où le président en Chine est en train de féliciter, enfin, le président, avant d'aller en Chine, a félicité le commandant des opérations qui a molesté, bastonné nos militants et nos cadres. Mais arrivé en Chine, il jette de l'opprobre sur cette même police en jettant la balle. C'est une contradiction. Oui, en jettant la balle à la police de Kabila, que Kabila n'avait jamais formé cette police-là. Je pense que c'est une attitude antinomique et contradictoire, voyez-vous. Mais maintenant, vous autorisez une marche pour les opposants, mais au même moment, vous interdisez un regroupement, des regroupements de plus de 20 personnes pour s'y rendre. Voyez-vous, donc c'est contradictoire. Et là, nous n'étions pas d'accord. Vous savez, nos cadres ont été bastonnés, molestés, nos militants tabassés, même des petits-enfants, presque torturés. Et je parle ici du cas de l'honorable Mike Mukebaye, qui par ailleurs est couvert d'immunité parlementaire. Il a été arrêté et il est emprisonné. Mais c'est une mais procédure de flagrance, comme on appelle ça. Non, disconvient pas, oui. Sans aucune forme de procès. Oui. Mais maintenant, ce cas nous dit tout. En tout cas, moi je dis que ce cas nous dit tout sur le paradoxe persistant d'une justice inféodée. Qui... Franck Senga, ouais, je n'arrive pas à comprendre. Quand quelqu'un distille, de la haine tribale, en République démocratique du Congo, quand quelqu'un tient de propos, il propage de faux bruits, mais c'est des infractions, hein, même si vous êtes couvert d'immunité. Mais ça, c'est une procédure de flagrance, Franck Senga. Non, mon cher ami. L'honorable Mike Mukebaye est passé à la télé pour condamner le tribalisme. Il a condamné le tribalisme et il a expliqué certains faits. Il était très factuel, voyez-vous. Mais maintenant, si condamner le tribalisme devient une infraction d'ordre pénal, alors, déchirons alors la Constitution. Mais maintenant, sur une autre piste, quand vous voyez la vidéo de Martin Fayoulou, parce que sur ce plateau, vous êtes le représentant de ces quatuors de l'opposition, quand vous voyez la vidéo de Martin Fayoulou qui appelle le manifestant à jeter de cailloux, à caillasser la police, comment vous réagissez à ça? Je pense qu'il faut restaurer toute parole dans son contexte. Allez-y. Il était question d'un... ils étaient dans une position de légitime défense. Tout le monde a été témoin. Vous aviez vu des policiers qui étaient accompagnés d'une milice rattachée au pouvoir avec des machettes, pierres. Ils ont jeté des cailloux, des bâtons avec des ferrons. Ils tabassaient sur tout. C'était dans une situation de légitime défense où ils ont dit « Attention, si on ne réagit pas, ces gens vont avancer et ils peuvent nous tuer. » C'est ainsi qu'il a obligé, il a demandé à certains militants de réagir pour les stopper. Mais maintenant, pour moi, le cas de Mike Mukebaye, je vous dis honnêtement, ça dit tout sur le paradoxe qui montre que la justice est inféodée, alors que cette justice même doit nous donner des signes, hein, des signes que le pays doit vivre un état de droit. C'est tout le problème. Vous et, aurez la parole. Et s'il vous plaît, pour terminer, imagine que cette hypothèse était impensable il y a 6 ans avec l'UDPS au pouvoir. C'est vraiment une fin triste d'un parti d'opposition historique qui termine dans la dictature alors qu'ils nous ont fait miroiter l'état de droit pendant la démocratie pendant 37 ans. Oui. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est une tristesse terrible alors qu'ils sont au pouvoir, ils font tout le contraire. Voilà, voilà. Nestor Moussoul, quelle est votre réaction? Vous avez suivi Franck Senga qui condamne un certain nombre de choses, notamment le fait que Ngobila, le gouverneur de Kinshasa, a autorisé 2 marches le même jour, 2 marches de l'opposition et de la majorité. Les risques étaient prévisibles. Je crois que M. Franck oublie un peu l'histoire. Comment? Si vite.
À l'époque où il y avait le gouverneur Katumbi, travaillait en connivence quand ma tante était première ministre, il y a eu des mouvements, il y a eu des violations des droits humains qui ont fait que Moïse soit exilé. Retournons en 2015. Aujourd'hui, nous sommes vers les échéances électorales de 2023. Vous regardez la marche qui a été organisée par l'opposition. C'est que je salue, ils ont dit, la vie des Congolais côtiers, l'insécurité, ce n'est pas seulement à l'est du pays, l'insécurité est généralisée partout. De même, par même exemple, pour apporter de l'eau à votre moulin, un savon Sona qui coûtait sur le marché de Colosie en 2019, quand Félix prend le pouvoir, ça coûtait 1000 francs. Aujourd'hui, ça coûte 2500 francs congolais. Je prends un exemple, je peux expliquer. Oui. Lors de la démission de Mata Tamponyo, comme étant premier ministre, c'est là où le pays a commencé à tergiverser. Je vous fais appel. Il a laissé les taux de dollar 1 dollar 920 000 francs, 100 dollars 90 000 francs. Il y a eu le gouvernement de Bruno Tshibala, n'est-ce pas? Le dollar qui a quitté des 90 D'abord Sami Badibanga. D'abord Sami Badibanga, qui a quitté des 90 vers 120 000 francs. Oui. Vous comprenez bien. Après Badibanga, il y a eu l'autre aussi, Bruno Tshibala. Je suis, écoutez, je parle de Bruno Tshibala. Le dollar a quitté des 120 à 160. Vous comprenez bien. Après, il y a eu le gouvernement de l'Union Sacrée, le mariage FCC cash. Le dollar a quitté de là où c'était vers les 170. Quand il y avait le premier ministre à la primatie, Ilunga Lunkamba. Aujourd'hui, vous voulez attribuer des fautes au régime d'aujourd'hui, parce qu'il n'a fait que 4 ans, n'est-ce pas? Non, mais vous vous victimisez bien. Je ne me victimise pas. Tu m'as donné un exemple. Oui. Vous savez que la seule personne qui a doté à notre pays l'indépendance économique, c'est Moussa Laurent Désiré Kabila. Parce que quand Moussa est arrivé au pouvoir, il a trouvé un pays chaotique, où il y avait des divisions déjà. Il fallait remettre l'ordre. Moussa n'a pas été crédité à des dettes à l'extérieur pour faire développer ce pays. Moussa a utilisé les ressources naturelles que Dieu nous a données. Il a potentialisé ça. Il a capitalisé. Mais, monsieur Nestor, on fait un rétropédalage. Je prends un exemple. Un dollar à l'époque de Moussa, un dollar était égal à un franc. Le 1 dollar à l'époque de Moussa, 1 dollar, 1 franc. À l'époque de Matata, de Matata c'était comme 1 dollar, 920 francs. Il faut louer alors la écoutez, j'ai dit d'abord, oui. J'ai dit, prenez un exemple. Oui. Entre lui et Moussa, qui a géré bien? Qui a doté l'indépendance économique? C'est Moussa. Voilà. Arrêtons un membre, un analyste politique de la majorité qui n'est pas d'accord avec la gestion de Jean-Michel Sama qui... C'est partout. Nous qui sommes, ne semble pas maîtriser sommes, la question. Nous sommes en Afrique. Oui. On assiste à une comédie... musical, des condamnations, des critiquer, mais pas de proposer des pistes, des solutions. Ce qui est idéal, en dehors de condamner, critiquer, faire des marches, c'est avoir proposé des pistes, des solutions qui pouvaient faire sortir le pays dans la crise. C'est ce que moi je suis en train de fustiger à l'opposition. Cette opposition qui est aujourd'hui, c'est la même opposition qui était hier. La ligne de l'opposition est vide. L'opposition cherche à se victimiser pour s'attirer la sympathie. Vous voyez, dans toute chose, même quand il y a marche, il fallait que l'opposition prenne la position de se victimiser vis-à-vis des oligarques de la communauté internationale pour dire qu'on est en train d'aller vers les une dérive dictatoriale. Ce qui est faux. Ce qui est faux, pourquoi? Parce que le gouverneur avait appelé les quatre leaders de Kinshasa. Nous sommes dans un régime d'information. Là où je contredis ces femmes, vous ne pouvez pas demander, il ne peut pas aller demander l'autorisation. Ils ont informé. C'est le mot que j'étais en train de chercher. Ils ont informé qu'il y aura marche les 13. Nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. Des demandes, c'est l'information. On informe. Ils ont informé. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, lui, devait juste acquiser les sessions de cette information. Et aussi encadrer, comme il a proposé. Sécurise. Oui. Il a dit, pour votre sécurité, il a donné l'itinérance, comprenez ce qui est là, là où il y a les problèmes. Le gouvernement n'a pas refusé, il a accepté. Ils les ont donné l'itinérance. Kinshasa n'est pas comme Colosie. Toi, tu peux aller vers la route du LDK, d'autre part vers la cité, vous rencontrez au même endroit. Non, c'est une grande ville. On les a dit des artères. Même jour, c'est pas Kinshasa, c'est comme petite ville comme Colosie. Non, c'est une très grande ville où il y a 10 millions, plus de 10 millions d'habitants. Plus de 10 millions d'habitants. Il y a des itinérances que vous allez entrer où il n'y aura pas de quoi. Mais et, ils ont refusé cette itinérance, ils ont choisi les quartiers là où il y a plein de couloirs pour et chercher. Le décor de la répression était planté. C'est le pouvoir en place, c'est lui qui a donné des machettes. On peut manipuler. Nous sommes pas une période où la technologie est avancée. Merci bien, Gustave Molongoy, en guise de conclusion pour ce premier thème du débat.
de ces jours. Est-ce que l'opposition connaît exactement la finalité de sa démarche? Est-ce que le pouvoir en place, c'est un pouvoir qui finalement commence à se perdre, lui qui nous chantait la démocratie et l'état de droit? Je vous saisis au mot. Je crois que lorsqu'on est dans l'opposition, on est en train de repérer toutes les erreurs que commet le pouvoir. Et lorsqu'on prend le pouvoir maintenant, on ne sait plus donner des justifications pour dire que non, on est arrivé au pouvoir parce qu'on n'a pas encore fait longtemps, non, parce qu'on ne cherche plus des justifications, parce qu'on connaissait déjà les erreurs de celui qui était au pouvoir. Et en ce moment-là, on s'attaque directement aux mots qu'on voyait lorsqu'on était, on était dans l'opposition. Voilà comment se comporte. Et même les pistes de solutions. Ce sont les pistes de solutions qui sont proposées au moment où on est dans l'opposition parce qu'on repère les erreurs que commet le pouvoir. Et une fois on est au pouvoir, on passe directement à l'action, à la correction de ce qui a été commis comme erreur par le précédent gestionnaire. Merci bien, merci Gustave Moulongo. Et on passe au deuxième thème de ce débat. On va parler du voyage du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a fait Téné, 11 000 km de Kinshasa vers Pékin. Nous sommes en Chine, en Asie, où il va renégocier le contrat sino-congolais. On va suivre davantage des détails dans ce reportage qui a été fait par la presse présidentielle. Vendredi 26 mai 2023, journée inoubliable qui constitue le point d'orgue de la première visite d'État du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine. Sous un décor dominé par le rouge, couleur principale du drapeau chinois, le président Xi Jinping apparaît sur l'esplanade accompagné de son épouse. Vint enfin le cortège de son hôte de marque, soigneusement escorté, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfin devant son homologue Xi Jinping, les instants de chaleureuses salutations accompagnés de leurs épouses respectives. Les hymnes nationaux chinois et congolais retentissent sous le son percutant des 21 traditionnels coups de canon, suivis du passage des troupes en revue, des moments teintés d'une solennité sans pareille. La rencontre bilatérale tant attendue entre les deux chefs d'État se tient quelques minutes plus tard, une importante rencontre qui marque un tournant décisif dans l'histoire des relations sino-congolaises. Des relations qui aboutiront prochainement à la redynamisation d'un partenariat équilibré d'État à État. Au cours de ce premier face-à-face, le président Xi Jinping a dit sa solidarité au peuple victime des inondations à Calais dans l'est de la RDC et promet une aide humanitaire $1 million pour assister les victimes de ces désastres. Au chapitre des accords, la République démocratique du Congo en rafle 5 au total. Le premier porte sur l'investissement dans les ressources et la coopération écologique. Le second est un protocole d'entente sur l'échange et la coopération en matière d'information et de la communication. Le troisième concerne le commerce et la coopération en matière d'économie numérique. Et le quatrième accord s'articule autour du financement et de la promotion du développement écologique. Enfin, la dernière signature est un accord de coopération entre la Radio-Télévision nationale congolaise et la chaîne nationale chinoise. De retour sur le plateau pour décrypter ce deuxième thème du débat. Franck Senga, vous avez la parole. Est-ce que quand on regarde la qualité de cet accueil de Félix Tshisekedi à Pékin, en Chine on s'est dit voilà les sérieux qu'il y a dans la coopération? Oui, avant de répondre à cette question, je termine d'abord avec... Rapidement. Monsieur Moussoul, je tiens à vous dire ici que l'opposition n'a pas
comme vocation d'aller proposer des solutions au président de la République. Le président a 1200 conseillers qu'il paye gracieusement. Le Premier ministre en a 500. Donc, faites votre travail, vous êtes payé par le contribuable que nous sommes pour le bien de la population. Mais maintenant, j'aimerais dire, vous aviez 5 ans. Mais vous justifiez toujours votre échec par les 18 ans de Kabila. On est dans un autre débat. Oui, justement, j'en arrive. Aujourd'hui, vous savez qu'on a interdit à Moïse Katumbi et d'aller au Bas-Congo et d'aller au Bandundu. Ça met à mal la fibre sociale déjà fragile et même le sentiment du vivre ensemble. Plus on s'approche des élections, plus la tension monte. Et j'ai bien peur que les élections en RDC emmène à la RDC des remèdes bien pires que le mal dont elle souffre. Regardons faisons la qualité, très attention. Les honneurs à Pékin. Mais maintenant, oui. Quant aux honneurs, moi j'irai dans un tout autre registre. Vous savez aujourd'hui que on est à 6 mois des élections. Et à 6 mois des élections, le pouvoir actuel a accumulé plus de 10 milliards de dettes. Le Congo est à 10 milliards de dettes depuis 4 ans et demi. Voyez-vous. Donc, en réalité, les caisses du Congo sont vides. C'est ainsi que... question sur la forme. Ce n'est pas une question sur le fond. Il n'y a pas de problème. Regardons l'accueil, la qualité. Il n'y a pas de problème. J'en viens. Oui. C'est ainsi que vous aviez vu, ils se sont précipités très vite d'organiser ce voyage en Chine. Cette renégociation avec l'argent des 5 chantiers qui est encore bloqué, qui avait été suspendu en Chine. Ils sont allés là-bas pour plaider que la Chine puisse rouvrir ce compte-là, afin qu'ils aient la main vers les 4 millions qui sont restés à voir les élections qui arrivent. Et j'ai bien peur qu'on revive les 100 jours et Chile et Gélou avec l'argent qui viendrait de cette négociation. Gustave Moulongoy, parce que Franck Senga se détourne de cette question sur la forme. Ce n'est pas une question sur le fond. On va rentrer rapidement dans le fond. Mais à regarder la qualité des honneurs qui sont rendus en RDC, est-ce qu'on comprend que la Chine vous dit « on vous respecte parce que vous avez le coltan chez vous, vous avez le cuivre chez vous, vous avez une bonne hydrographie chez vous, vous avez le diamant chez vous, on vous doit donc du respect ». Est-ce que c'est ça qu'on doit lire de la qualité de... Je crois que la qualité de ce décor-là, oui. Il est exceptionnel et il doit interpeller plus d'un... de celui qui est dans le cortège du président de la République. Parce que ce n'est pas le premier voyage que le président a effectué avec son entourage. Celui-ci en est un énième voyage. Et ça devait nous interpeller de plus en plus. Parce que la Chine est ce qu'elle est, c'est par le travail. Par le travail. C'est par le travail. C'était un grand pays. La Chine de Mao. Chine de Mao Tse-Tung. Oui, ça commence par là. Mobutu s'est inspiré de Mao Tse-Tung. Oui. Et Laurent Désiré Kabila, on en parle même pas parce que sa philosophie, sa vision, c'était vraiment le monde socialiste. Et tout le monde a vu comment la Chine a monté les escaliers jusqu'à devenir une grande puissance aujourd'hui. Mais malheureusement, nous sommes distraits. Et nous sommes distraits, tout l'entourage du président va rentrer au pays et je ne sais pas s'ils vont pouvoir profiter de ce voyage pour faire quelque chose. Parce que le cobalt, il vient de chez nous. L'or, vous venez d'énumérer tout ce qui fait de la Chine ce qu'il est aujourd'hui. Ça vient d'ailleurs, mais il faut être travailleur. Il faut être travailleur. Nous devons aussi travailler pour avoir, atteindre l'image, la grandeur ou la taille de la Chine. C'est par le travail que la Chine est ce qu'elle est. Donc voilà, on donne rapidement la parole. On fera toujours des voyages, peut-être que demain ou le lendemain, oui. Le président Tshisekedi ne sera pas là. Un autre, son successeur, fera aussi le même voyage en Chine. Il verra, il sera accueilli avec pompe. Il rentrera au pays et ça sera... Et toujours comme ça. Un cercle vicieux. Alors, je pense qu'il faut, il faut absolument profiter de ce voyage. Oui. Et surtout, comme le président parlait de la révisitation du contrat, le contrat du siècle, ça, c'est quand même un contenu assez important. Parce que le contrat avait été signé par le pouvoir précédent. Et minerai contre infrastructure, tout ça, je crois qu'il faut revenir là-dessus. Et pas prendre l'argent et s'en servir, non. On va vous redonner, on va vous redonner la parole, Gustave Moulongoy. On suit d'abord le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a donné une interview à CGTN, la chaîne nationale de la Chine. Il parlait notamment des attentes du gouvernement congolais par rapport à cet accord. Et qu'est-ce qu'on attend? Je l'ai bien dit, c'est la relance, la revitalisation de la coopération avec la Chine. Concrètement,
cela signifie qu'il faudra actualiser, pour ne pas dire ajuster, les principes, les objectifs qui ont guidé et qui continuent à guider la coopération, parce que ça fait maintenant 51 ans, c'est l'anniversaire, c'est le moment d'évaluer, de faire la rétrospective et la prospective. Et cela veut dire également qu'il faut un nouveau portefeuille de projets, compte tenu des besoins de la RDC et de l'évolution des contextes, à la fois contexte national et international. De retour sur ce plateau, Nestor Moussoul, est-ce que la RDC a passé beaucoup de temps roulé, menti par les Occidentaux? Je voulais juste d'abord lancer un mot sur, je crois, les voyages du chef de l'État. Oui. La Chine étant une grande nation, la première puissance économique mondiale, elle a montré l'acte de sympathie en réservant un accueil chaleureux au président de la République démocratique du Congo, parce qu'ils sont nos partenaires fiables et efficaces sur le terrain. Dans ce clos-là, sur l'ensemble, sur la forme, là, nous ne pouvons que féliciter cet amour que la Chine a montré vis-à-vis de la RDC en réservant un accueil digne au président. La Chine est dans le concret. Elle est dans le concret. Elle est dans le concret. Là, c'est vrai. Là, je n'en disconviens pas. Là, c'est vrai. Vous voyez, après le voyage du président, la Chine a accepté qu'on puisse recommencer. Et le gouvernement chinois est prêt à débourser une somme de plus de 200 millions de dollars pour la relance de la centrale de Inga. Vous comprenez déjà, ils ont parlé d'1 million de dollars pour Calais et au sud Kivu avec la catastrophe. Ça, c'est du content, le président de la République. C'est du concret. Oui. Le problème, c'est trouve vous, c'est capitaliser cette visite, se mettre au travail. C'est-à-dire que rendre des comptes à la population, la nation congolaise par rapport à ces diplomaties. Éviter les détournements dont on a beaucoup parlé dans ce mandat. C'est ce que je voulais dire, un travail sérieux dans tous les secteurs. Le premier bénéficiaire, c'est le peuple congolais. Donc nous devons nous mettre au travail avec cet accord. On sait très bien que les contrats là, dans le passé, ne profitaient pas au gouvernement congolais. Il y avait 70% que le gouvernement chinois devait prendre et 30% vers au gouvernement. Cette histoire de rétrocommission. Il n'y a pas, c'était pas un contrat tout à fait gagnant-gagnant. Voilà pourquoi il fallait revoir ça, pourvu que aussi la RDC puisse se retrouver dans ces contrats, pourvu que les pays puissent aller de l'avant. On va vous redonner la parole. On va suivre maintenant quelque chose qui intéresse les médias, dont Mikuba Radio Télévision, parce que c'est dans notre secteur. On va suivre Patrick Muyaya, qui est le ministre des médias, porte-parole du gouvernement, qui a donné une interview à cette même chaîne. Il parlait de Téné, du partenariat qui va y avoir entre CGTN et la RTNC. On va en savoir plus en suivant cette interview qu'il a donnée. Cette année, à partir de cette année, CGTN et RTNC initient ensemble une émission hebdomadaire qui s'appelle Chine-Afrique, destin partagé. Quelles sont vos attentes pour cette émission? Écoutez, comme vous avez dit, destin partagé, l'idée c'est d'être en mesure de communiquer avec les Chinois, mais l'idée c'est aussi de voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de vous, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de nous. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on quitte la connaissance de la Chine que sous les réseaux sociaux, les stéréotypes ou les livres. Mais là, on aura l'occasion d'avoir un programme qui permettra à des jeunes Chinois, je présume, d'être vus, ou à des jeunes Congolais. Et donc, pour nous, ça constitue une opportunité qui va montrer que la relation renouvelée, la relation renforcée pourra être perçue de manière régulière, parce qu'à travers ces programmes télévisés, chaque semaine, les équipes, que ce soit de CGTN ou de la RTNC, travailleront à produire du contenu, et nous espérons que ce contenu pourra édifier les téléspectateurs congolais sur la connaissance de la Chine, l'importance de nos rapports, et voir dans quelle mesure cela pourra nous être mutuellement. Gustave Mulogoy, est-ce que tout ceci, la renégociation de ce contrat sino-congolais, est-ce que ça peut être vu comme un argument électoral? Ça peut profiter au gouvernement s'il en tire profit. Parce que non seulement le gouvernement, mais aussi pour le peuple congolais. S'il y a les retombées de cette révisitation du contrat, et le gouvernement, ça sera dans son actif, et le peuple, ça sera aussi un gain pour lui. Donc c'est une démarche
qui doit profiter au gouvernement. Mais ce n'est pas tout, parce que le bilan, ce n'est pas seulement la renégociation de ces contrats. Le bilan du gouvernement, c'est depuis qu'il est au pouvoir, n'est-ce pas? Oui. Depuis 2018 jusqu'à ces jours. Donc le bilan, il est global. On verra ce que le gouvernement a fait et ce qu'il n'a pas fait. Mais pour cette petite brèche, et pour ces contrats, s'il y a les retombées, nous frottons les mains. C'est le peuple congolais qui va en bénéficier. Franck Senga, on sait que la RDC, à la porte de la RDC, il y a beaucoup de clients. Est-ce que le fait que il y a de la rivalité américaine, notamment pour les mines de la RDC à l'égard de la Chine, est-ce que tout ça, c'est à l'avantage de la RDC? Bon, je crois que il faut pas se leurrer. Il faut pas se leurrer. Et la Chine et les Occidentaux, ce sont les mêmes. Dans les affaires, il n'y a pas de pitié. Il faut pas être triomphaliste. Il faut pas non plus être distrait. Ce sont les intérêts. À partir du moment où les intérêts sont garantis, ils viendront et ils vont se comporter de la même manière. Et ce sont des roublards. Ils tirent toujours la grosse part de la couverture de leur côté. C'est à nous d'avoir des hommes d'État qui peuvent réfléchir, des intelligences, pour essayer d'en tirer profit au maximum. Voyez-vous, mais j'ai bien peur que l'argent qu'on est en train de demander là, ça et là, l'argent qui viendrait, puisse terminer dans les proches des frappologues plutôt que sur les routes et les bâtiments. Les détournements, c'est une question d'homme. Vous savez, quand vous n'êtes pas fidèle dans des petites choses, même dans des grandes choses, vous ne le serez jamais. Et ce qu'on a vu jusque-là, ça n'augure pas de bonnes choses quant au développement de ce beau pays. Mais j'aimerais aussi dire que, vous savez, l'argent qu'on est en train de demander là, je suis sûr que c'est par rapport aux élections. Et la Chine n'est pas bête. Je ne pense pas qu'elle ouvrira ce compte bancaire là, ou l'argent des 5 chantiers qui est resté, à 6 mois des élections. Ils vont attendre. Non, mais chantiers depuis 2011. Oui, justement, l'argent avait été suspendu, oui. Le décaissement, parce que c'était pas clair. Mais maintenant, ils sont en train de renégocier pour qu'on leur ouvre ce compte-là, après renégociation. Il y a quelque chose à l'intérieur. Oui, il y a beaucoup de choses encore à l'intérieur, près de 3 milliards. Mais maintenant, eux, ils en demandent le double ou le triple pour rééquilibrer justement cette négociation, ce contrat-là, qui était en défaveur de la République démocratique du Congo. Et ça, vous le reconnaissez? Et je le reconnais, mais si on l'ouvre, qui sont ceux-là qui vont gérer ces fonds? J'ai bien peur qu'on puisse revivre les 100 jours, Chile, Gelou et autres. Ah, et ça sera pire et catastrophique, peut-être même fatal pour nous. On va rester dans une dette interminable et éternelle. Voilà, voilà, Nestor Moussoul, il faut se frotter les mains, il faut chapeau bas à l'IGF. L'IGF qui a mené une enquête qui a abouti à cette renégociation du contrat. Rappelons que l'IGF avait utilisé, quand elle a fait cette enquête, elle a même utilisé le concept colonisation économique de la Chine à l'égard de la RDC. Je crois que le développement de la vie sociale du peuple congolais, c'est ce qui doit être d'abord au centre de toute artère politique qui veut voir que ce pays puisse émerger et changer. Nous, ce que moi je fustige, étant leader, c'est les antivaleurs. Vous voyez, la négociation de ces contrats sino-congolais, la gêne chinoise, n'était pas en faveur, d'abord, quand nous retournons ces contrats, elle n'était pas en faveur du gouvernement congolais. Ce contrat a été signé en 2008 plutôt, avec les régimes passés. Non, dans ce contrat, cette querelle des régimes, vous appréciez le travail de l'IGF? J'apprécie, c'est un travail déjà très positif qui a abouti au résultat aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que le travail était très capital. L'IGF ne devait pas seulement se limiter dans ce cadre, il faut balayer dans tous les secteurs possibles. Parce que ce qui fait de nous une très grande nation face aux oligarques, c'est quand il y a du sérieux dans la gestion de la chose publique. Le problème des antivaleurs, je parle des détournements. Cet argent n'en profite pas à la population congolaise, elle en profite dans des poches de personnes. Là, nous devons condamner. Nous devons condamner parce que si on est entré des mêmes personnes qui connaissent les mêmes bavis, c'est-à-dire que cet argent-là ne va pas bénéficier à la population congolaise. Donc c'était une visite de courtoisie. Et ce que nous fustigeons, nous encourageons les régimes en place de multiplier les efforts, de se mettre sérieusement au travail pourvu que le vécu quotidien de la population congolaise puisse s'améliorer et qu'on arrête de pleurnicher de crise en crise.
Ça, c'est une meilleure proposition qu'il voulait donner. Justement, Gustave Moulongo et Nestor Moussoul parlent dans ce propos, ils parlent des sérieux, vivement les sérieux dans l'exécution de contrats. Vous savez, là, je vois, je rentre quelque peu en arrière quand je vois, par exemple, Matata Poyo, quand il était Premier ministre. Il avait initié la bancarisation. On avait à l'époque découvert qu'il y avait des fantômes, qu'il y avait des gens qui n'existaient pas réellement. Ça devait rentrer dans la caisse de l'État, n'est-ce pas? Donc, mais lorsqu'il y a des initiatives comme ça, on tombe à l'initiative actuelle de revoir le contrat, des choses comme ça. Mais lorsqu'il y a des retombées, et le peuple ne sait pas combien, c'est là qu'il y a un problème. Depuis la bancarisation, on met des effectifs à côté, il y a autant qui entrent dans la caisse, mais là, ça devient opaque. Et maintenant, aujourd'hui, avec cette révisitation, s'il a lieu, je pense qu'il faudra maintenant qu'on dise au peuple, voilà ce qui est et qui a été récupéré. On doit communiquer clairement. Au moins communiquer clairement, parce qu'à ce niveau-là, il ne doit plus y avoir de l'opacité. On doit connaître combien qu'on a récupéré et on doit affecter ceci à cela, à telle destination. C'est à ce moment-là qu'on peut voir clair et applaudir, dire que voilà, les démarches, la diplomatie a abouti et l'a donné gain de cause au peuple congolais. Autrement, ouais, ça sera très difficile d'applaudir tout simplement que voilà, la démarche, elle est bonne, mais sans voir l'aboutissement de tout cela. En une minute, Franck Senga, je posais déjà cette question à Gustave Moulongo. Est-ce la renégociation de ce contrat peut passer dans le compte d'un argument électoral? C'est ce que le pouvoir pense. Mais il ne faut pas rêver. Je crois que la Chine sait très bien, il a ses diplomates ici, ses enquêteurs, ses agents, ils savent très bien que les élections, c'est dans 6 mois. Ils vont voir ce qui va se passer aux élections pour agir dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Comme Félix, si ce qu'il va vous dire, non mais... Écoutez, moi, j'ai renégocié le contrat, donc vous avez raison de me voter. Et ça ne suffit pas. Monsieur Donat Moulongo, il a dit, le bilan, c'est un tout. Hein, c'est un tout. Sécurité, infrastructure, éducation, santé et tout ça. Mais pour conclure, si vous me donnez la parole sur les deux thèmes, j'aimerais dire que nous avons, nous, surtout opposition, la responsabilité historique de rester dans la lutte pour offrir à nos enfants et à nos petits-enfants un pays où il fera beau vivre. Sinon, nos enfants vont nous demander qu'est-ce que vous avez fait de ce pays. Le pays va très mal, on doit tous se réveiller pour essayer de changer de paradigme et changer d'orientation. Non mais Franck Senga, est-ce que sur tous les sujets, vous êtes divisé? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet qui peut nous réunir tous en tant que Congolais, essayer de ne pas voir l'opposition, ne pas voir la majorité? Tous les sujets nous divisent-ils? Il existe des sujets qui nous mettent ensemble, mais dont les approches sont différentes. Mais maintenant, eux, ils utilisent les différences d'approche pour écarter justement les autres, parce qu'eux, ils voient les élections. Ils se disent que non, si ces gens nous aident à pouvoir restituer le calme, par exemple, dans l'Est, les gens vont les voir, eux. Eux, ils font Merci. Tout avec... une probité électorale. Et c'est ainsi que nous avons en face de nous des gens qui sont prêts à tout pour conserver leur pouvoir à n'importe quel prix, Merci. Y compris le prix du sang. Merci bien. Nestor Moussoul, est-ce que, comme pour Franck Senga, pour vous aussi de la majorité, l'enfer c'est l'autre? C'est ce que je dis. Notre champ de bataille, pour nous tous, c'est l'amélioration des conditions de vie sociale de la population congolaise en général. C'est ça notre champ de bataille. Nous ne sommes pas là pour condamner. Condamner, c'est bien. Critiquer, c'est bien. L'essentiel, c'est proposer des pistes, des solutions fiables. Parce que, sérieusement, j'ai craint dans l'opposition. L'opposition est en train dans une comédie musicale. C'est-à-dire que dénoncer, critiquer, organiser des marches, mais ne pas participer au développement de ces pays. Vous avez 2000 conseillers. Ils se victimisent, c'est le pouvoir en place. Voilà, nous sommes dans le finis. Le pouvoir en place encore va encore commencer à se victimiser et l'opposition reste. Or, nous devons nous tous conjuguer les efforts, être ensemble, prêcher l'unité pour sauver l'intérêt général de la population congolaise. Ça, en quelques secondes, qu'est-ce qu'il faut faire? La chanson, elle est la même. Que ce soit l'opposition, que ce soit les pouvoirs, on cherche le bien-être de la population. C'est ça la chanson commune. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut? Je crois que le pouvoir enivre. Lorsqu'on est maintenant au pouvoir, on oublie ce qu'on a dit hier. Effectivement. Il faudra à ce moment-là que le peuple
prennent conscience avec l'aide de la société civile. Ouais. La société, enfin, la population doit se réveiller, comme nous sommes en train de voir, par exemple, au Sénégal, avec l'affaire Sonko. Merci, c'est la conclusion. Merci, Gustave Longoy, analyste politique indépendant. Ouais. Merci à Franck Senga d'Ensemble pour la plaisir. République. Merci à Nestor Moussoul de la majorité. Chers auditeurs et téléspectateurs, le programme continue surtout sur votre chaîne. Il y a encore quelques secondes.